Es para nosotros un placer invitaros a ver esta ponencia entrevista del profesor Jan Leboeck. En esta ocasión nos hablará sobre la religión en el ejército romano durante el Principado. Jan Leboeck es por muchos conocidos, él es profesor emérito de la Universidad de París-Sorbonne, es especialista en antigüedad romana, en particular el África romana e historia militar. De 1994 al 98 fue asesor experto del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia, director del Centro de Estudios Romanos y Galorromanos de la Universidad de Lyon III y luego vicepresidente de dicha universidad. Fue presidente también de la Comisión de Investigación Universitario de Lyon entre el 2000 y 2001 y miembro del comité editorial de la revista Res Militares, y cofundador de la Revue des Etudes Militaires Anciennes, el REMA. Reconocido especialista en el ejército romano, a Jan Leboeck se le encomienda notablemente la dirección de la Encyclopédie de l'Armée Romaine, obra monumental descrita como una herramienta esencial para el estudio de la historia militar antigua. Escritor de numerosas obras y artículos relacionados con este tema, como el que tengo yo ahora mismo en mis manos, que es El ejército romano, la editorial Ariel, de Armée Romaine, de Jan Leboeck en español, y un foire de presentación, feite, si vous pouvez, nous commencerons par les questions. ¿Okay? Tout d'abord, merci de vouloir collaborer avec moi et de l'association Mon Religion dans cette interview. C'est pour moi un plaisir de collaborer avec vous et de répondre à vos questions et d'entrer en contact avec les personnes qui vous suivent. Merci, professeur. Domaszewski et plus tard Leboeck ont affirmé la justice titre que la religion ne pouvait analyser séparément. C'est pourquoi nous souhaitons aborder cette question. Importante avec le professeur Jan Leboeck avec les questions suivantes. La première question est liée à la séparation ou non d'une religion militaire avec le monde civil. Y a-t-il cette séparation ou s'agit-il des mêmes cultes? Quelle perception tout divin de les soldats romains avait-il? Eh bien, c'est évidemment la première question importante. Et vous avez eu raison de citer les noms de von Domaszewski et de Leboeck. En fait, dans l'Empire romain, il y avait plusieurs religions et tous les humains respectaient ces religions, participaient à ces cultes, civils et militaires inclus. Qu'étaient ces religions? Pour ne pas trop nous étendre là-dessus, je dirais qu'il y avait d'abord des cultes locaux, en Espagne des dieux espagnols, en Gaule des dieux gaulois, en Afrique des dieux africains, etc. Puis ensuite, sur ces dieux locaux est venue se déposer une couche de dieux romains, les dieux romains traditionnels, la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve, et aussi le culte impérial, qui est une religion à part entière, comme nous le verrons tout à l'heure. Enfin, il y a eu, par-dessus tout, les cultes orientaux, et même pour finir, le christianisme. Donc, tous les humains, civils et militaires, respectaient ces religions. Les militaires, toutefois, avaient des particularités, des spécificités. Il y a un certain nombre de dieux auxquels ils étaient particulièrement attachés, en particulier la triade capitoline, et au sein de la triade capitoline, surtout Jupiter. Également Mars, cela se comprend évidemment, puisque Mars était le dieu des armes. Également Bélone, dont la racine
du nom contient le mot latin bellum, c'est-à-dire la guerre, c'était par essence la déesse de la guerre. Vénus, que nous connaissons comme la déesse de l'amour, la déesse de la sexualité, mais qui était aussi la déesse qui donnait la victoire, et Minerve aussi, accessoirement, qui était la déesse de la comptabilité du camp. Tous ces cultes étaient pratiqués aussi par les civils, mais plus particulièrement par les militaires. Pour avoir une idée plus précise, il faut se référer à un papyrus qui nous fait connaître un texte très important, le calendrier de Doura Europos, comme on l'appelle traditionnellement, qui a été bien étudié par des savants américains, si je ne me trompe, qui montre qu'il y avait des célébrations très régulières et que justement, certains dieux intervenaient davantage, les dieux du culte impérial et aussi ces divinités que je viens d'évoquer. Finalement, il me semble, je me trompe peut-être, il me semble qu'il y a un seul culte qui n'était pas pratiqué par les civils et qu'il était uniquement par les militaires, c'est celui des enseignes. L'aigle de la Légion était considéré comme une divinité, honoré comme telle, et les signats des manipules étaient également honorés comme tels. Dans les camps permanents, il y avait une chapelle pour les abriter quand il n'était pas nécessaire dans les manifestations religieuses. Donc, comment les militaires percevaient-ils, pour répondre à votre deuxième question, quelle perception avait-il du divin? Eh bien, là, je dirais encore que c'est comme les civils. Tout cela dépendait du niveau culturel des gens. Il est certain que le petit paysan des montagnes gauloises et l'empereur Marc Aurèle, philosophe stoïcien, n'avaient pas du divin la même idée, la même perception, la même conception. Mais c'est une différence qui est en fait une différence sociale et donc une différence de culture. J'ajouterai pour cette perception du divin qu'elle peut être appréhendée soit individuellement, c'est-à-dire qu'est-ce que chaque individu a comme idée des dieux, soit collectivement, car il y avait des célébrations qui étaient collectives, en particulier les célébrations militaires où les unités étaient rassemblées pour pratiquer certaines religions. Merci, professeur. La deuxième question, nous nous commençons consultons sur les hautes ampères. C'est-ce qu'un culte différent a été incorporé à l'armée romaine après Auguste. Les cultes sont-ils les mêmes dans toutes les régions de l'ère impère? Vous posez en fait deux questions qui sont différentes, mais bien sûr complémentaires. Vous avez raison. Alors, concerne Auguste, nous savons donc qu'il a joué un rôle très important politiquement, militairement, ce qu'on oublie souvent. Il a grandi l'Empire d'un quart, ce que personne n'avait fait avant lui, ce que personne n'a fait après lui. Pour les questions religieuses, il s'affichait ouvertement comme un conservateur, un traditionnaliste, il était respectueux de la religion. Donc, on sait qu'il a restauré 82 temples dans la ville de Rome, il a fait restaurer 82 temples dans la ville de Rome, qu'il a veillé à ce que tous les cultes traditionnels reçoivent des prêtres ou des prêtresses quand c'était pour les divinités féminines, qu'il a veillé à ce que les rites soient célébrés. Et donc, de ce côté-là, nous pouvons voir qu'il était incontestablement conservateur, il a rétabli ce qui avait été endommagé, plus ou moins détruit pendant la guerre civile. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il a ajouté une nouvelle religion à cette religion traditionnelle qu'il respectait et vénérait beaucoup,
c'est le culte impérial. Et il y a trois Anglais, Bird, Madame Bird, Messieurs Norton et Price, qui ont écrit une histoire des religions très intéressante et qui ont exposé que le culte impérial était une religion différente des précédentes qui venait s'y ajouter. Et effectivement, on ne peut pas leur donner tort. Alors, nous reviendrons sur le culte impérial tout à l'heure, je crois. Je voudrais répondre à la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des différences régionales? Alors oui, bien sûr, elles existent. Nous avons évoqué cela tout à l'heure en disant qu'en Espagne, à propos des cultes locaux, dans la péninsule ibérique, il y a des dieux espagnols, en Gaule des dieux gaulois, etc., en Afrique des dieux africains, c'est déjà une différence. Ça m'amène à parler d'une expression latine qui est l'interprétatio romana, qui était empruntée à Tacite et qui consiste à donner des noms latins à des dieux locaux. Ce qui veut dire, par exemple, Jupiter, des Romains, était appelé Zeus en Grèce, était appelé Taranis chez les peuples celtiques, et il y a Saturne africain, que mon directeur de thèse, qui était aussi un grand historien des religions, à mon avis, Marcel Leglet, a étudié. Et il a consacré sa thèse, comme on sait, à Saturne africain, il y a trois volumes qui sont dans ma bibliothèque sous mes yeux, je les vois tout de suite. Je lève les yeux vers Leglet et Saturne africain à la fois. Alors donc, ce sont des cultes locaux. Et en Afrique, on a constaté, mais l'enquête n'a pas été faite partout et devrait être étendue, que ces dieux étaient surtout honorés dans l'armée par les officiers. La chose n'a pas été bien expliquée à mon avis. Je pense que les officiers, quand ils arrivaient dans un pays qui était étranger pour eux, hein, l'italien, le tribun ou le préfet italien qui arrive en Afrique, ou en Gaule, ou en Germanie, etc., ces officiers cherchaient à gagner à leur cause les dieux locaux. Alors évidemment, d'un côté, ces dieux locaux, ce sont des dieux de vaincus. Ce sont les dieux des Africains qui ont été vaincus quand ils ont résisté pour la troisième guerre punique. Ce sont les dieux des Gaulois qui, eux aussi, ont résisté terriblement pendant pendant la conquête césarienne. Ce sont des dieux de vaincus, certes, mais même vaincus, ce sont quand même des dieux. Alors s'ils sont inférieurs aux dieux romains, ça va de soi, mais ils sont quand même supérieurs aux humains, et donc les humains ont intérêt à ne pas avoir de difficultés avec eux, à ne pas provoquer de conflits avec ces divinités et à obtenir leur appui. Alors, là encore, c'est la question non plus n'a pas été bien étudiée, mais il faudrait voir, région par région, comment les militaires acceptaient les dieux locaux, développer les dieux romains et accepter les dieux orientaux. Ça, nous en parlerons tout à l'heure, je le souhaite, parce que la question des dieux orientaux a été assez bouleversée ces derniers temps. Les dieux orientaux dans l'armée romaine, hein, bien entendu. La troisième question, le culte impérial, comment ce culte est-il représenté au sein de l'armée romaine? Ce culte était-il différent selon de la région ou était basé la région ou était-il tous les mêmes? Alors, le culte impérial était le même pour les militaires et les civils dans ses rites. Dans sa forme. C'est-à-dire que, comme les civils, les militaires pouvaient honorer l'empereur à plusieurs niveaux. Ils pouvaient honorer l'empereur vivant ou l'empereur mort. Ils pouvaient honorer la personne de l'empereur, considérer qu'il était un dieu, ou bien honorer le numen de l'empereur. Alors, le numen, c'est la volonté agissante.
je reprends l'expression d'ailleurs de Marcel Leglay, c'est la volonté agissante, c'est votre humaine, mon humaine, c'est ce qui fait que nous nous échangeons en ce moment, nous nous parlons, nous en avons la volonté, et c'est notre humaine qui le permet. Et puis le génius, c'est autre chose, le génius, c'est une sorte d'ange gardien, ce qu'on appelait dans la religion catholique autrefois l'ange gardien, aujourd'hui aussi, je pense, d'ailleurs, oui. L'ange gardien, c'était l'équivalent de l'ange gardien, c'est un petit être qui protégeait les gens. Et puis, on pouvait honorer l'empereur vivant ou l'empereur mort. Il y a une anecdote à propos de Vespasien qui est très intéressante, elle a probablement été inventée, hein, comme toutes ces anecdotes. Vespasien voyait qu'il allait mourir, on lui demande « comment te sens-tu ?» Et il répond avec humour « je sens que je deviens un dieu » parce qu'il savait qu'il était encore un humain et qu'après sa mort, on voterait le Sénat voterait lui accorderait l'apothéose, c'est-à-dire reconnaîtrait qu'il a été transformé en dieu. Alors tout ça, j'ajouterai aussi, bien entendu, vous le savez, qu'on pouvait honorer la famille impériale qui a été appelée d'abord Domus Augusta, puis après Domus Divina, une famille divine. Le mot Domus signifiant famille dans ce cas-là, et pas maison. Alors, voilà, donc c'est le propre de tous les habitants de l'Empire, qu'ils soient en Syrie ou en Espagne. Pour les militaires, ce n'était pas tout à fait la même chose. Ils avaient évidemment le droit de pratiquer le culte impérial à titre individuel. Mais j'ai constaté, notamment en Afrique, que c'était, dans ma thèse, que c'était extrêmement rare. Et j'avais pensé à l'époque que les soldats, les militaires, n'étaient pas très intéressés par le culte impérial. Je me suis rendu compte par la suite, et notamment c'est le calendrier de Doura Europos que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'en réalité, les militaires étaient réellement abreuvés de culte impérial. Ils avaient des cérémonies à des dates extrêmement régulières, très fréquentes, et qui étaient célébrées collectivement, ce qui est logique parce que l'empereur est non seulement le chef de l'État, mais il est aussi le chef des armées, c'est-à-dire qu'il peut conduire lui-même les guerres, c'est le cas de Trajan par exemple, ou les déléguer à un officier supérieur. C'est le cas de Néron, qui n'a jamais participé à une guerre, mais a envoyé ses soldats combattre. Et ce culte impérial était célébré, lui, le calendrier de Doura Europos nous le laisse penser, était célébré de manière collective, bien entendu. Alors, il y a un texte qui est intéressant, c'est le De Corona de Tertullien, qui a été, que j'ai étudié il y a assez longtemps, et c'est une cérémonie qui se déroule à Rome dans le camp des prétoriens, ça c'est mon interprétation personnelle et qui me semble difficilement contestable, parce qu'il y a un soldat donc, qui refuse de s'associer à une cérémonie religieuse, et il est envoyé d'abord au tribun, et ensuite au préfet, préfet étant au pluriel, ad praefectos, et il n'y a de préfet au pluriel que dans le prétoire à Rome. Il n'y en a pas à Carthage, il n'y en a pas à Lambèse, comme on l'avait dit autrefois. Donc les soldats sont tous rassemblés, ils portent une couronne sur la tête, d'où le titre de ce traité, un De Corona, et ce soldat qui ne veut pas s'associer au culte impérial, aux pratiques religieuses, jette sa couronne par terre, refuse de porter cette couronne parce que elle est un symbole chrétien, elle est un symbole polythéiste, pardon, ou païen comme disaient les chrétiens. Moi je préfère polythéiste, hein, parce que païen ça introduit un esprit de polémique que je n'ai pas. Donc il jette sa couronne par terre, il est condamné, il est exécuté. Alors, on a noté évidemment que c'est Tertullien qui rapporte cette histoire et que, évidemment, le comportement de ce soldat est extrêmement excessif. Beaucoup de chrétiens se trouvaient dans cette armée
et n'ont pas eu le même comportement, mais enfin, nous en reparlerons tout. Enli Shan est l'un de ses livres, en particulier l'armée romaine, en espagnol, l'ejército romano. Nous pouvons découvrir quelles attractions telles de que fortune, honneur, discipline ont été divinisées. Depuis quand ce remonte, il est de combien de temps d'où est-il? Alors, nous savons que les abstractions divinisées sont une particularité des Romains, mais on l'a trouvé déjà chez les Grecs, hein, dans la religion grecque, et au départ, elles étaient très peu pratiquées. Elles se sont développées par la suite, petit à petit. À l'époque républicaine, il y en avait déjà qui étaient nombreuses, Fortuna nota en particulier. Je renvoie à un grand livre de Jacqueline Champeau en 2 volumes, où la période républicaine est extrêmement bien étudiée et extrêmement approfondie. Cela dit, si il y a eu des abstractions divinisées dès l'époque républicaine, elles se sont beaucoup développées au temps de la période impériale, beaucoup, bien plus nombreuses. Alors là, comme justement elles sont nombreuses, on peut essayer de faire un petit classement, et on constate que celle qui est la plus attirante, qui est la plus vénérée, le plus souvent vénérée, c'est Victoria, c'est-à-dire la victoire, Niké en grec, hein, je parlais tout à l'heure justement de communauté entre grec et latin, et grec et romain, c'est Victoria Niké, si vous voulez, qui était la plus honorée. Il y en a eu d'autres, il y a la Virtus. Virtus, c'est une qualité, qui était pratiquée, jugée importante dès l'époque républicaine et dès les origines de l'époque républicaine. J'en profite pour dire, ne sachant pas ce qui se passe en Espagne, qu'en France, c'est un mot qui est généralement très mal traduit. On dit c'est le courage. Virtus, ce n'est pas le courage. Ou plus exactement, ce n'est le courage que par dérivation de sens. C'est une toute petite partie de la virtus, le courage. Dans virtus, vous avez vir, l'homme, et ce qui caractérise l'homme dans les mentalités des Romains dès l'époque républicaine et probablement dès l'époque royale avant 509, c'est le service de l'État. Service civil par l'exercice des magistratures et service militaire par l'exercice de commandement. Et alors c'est effectivement au sein du service militaire qu'intervient le courage. Si on veut servir l'État militairement, il faut manifester du courage. Alors il y a d'autres divinités, je n'en énumérerai que 3, plus une quatrième, plus un groupe après. Il y a la Pietas, qui est le respect des dieux, mais aussi, on l'oublie trop souvent, le respect de la famille, le respect du père. C'est Aîné qui est le Pius par excellence, puisqu'il a sauvé de Troie en flammes son vieux père qui était grabataire et la statue de la déesse qu'il avait protégée. Il y a Onos aussi, qui est un mot très compliqué, très complexe plus exactement, comme virtus. Ce sont des termes qu'on ne peut pas traduire en français, et peut-être pas en castillan à mon avis, enfin vous verrez bien. Onos qui est à la fois l'honneur qu'on reçoit par l'exercice d'un commandement. Donc quand un homme est nommé légat de légion, il reçoit un honneur. Et puis c'est la qualité qui est propre à tout homme au départ de sa vie, c'est l'honneur, le respect de l'honneur, de ses engagements, de ce à quoi l'on croit. Et la troisième de ces qualités, c'est disciplina, la discipline. Alors disciplina, c'est un mot là encore qui est très complexe. Ça veut dire d'abord ce qu'on apprend, c'est l'apprentissage plus exactement, l'enseignement et l'apprentissage. Il faut apprendre, le métier militaire est un métier qui s'apprend, et ensuite ça désigne l'obéissance, comme
les deux termes sont pratiqués de nos jours. Hein. Les mathématiques, la langue française, la langue espagnole sont des disciplines qu'on apprend à l'école et les élèves doivent respecter la discipline à l'intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent et les soldats aussi. Et alors on sait, nous savons qu'à l'époque d'Adrien, le culte de la discipline s'est développé dans les armées, et en particulier par la création d'arae disciplinae, d'hôtels de la discipline. C'est-à-dire qu'il y avait des hôtels sur lesquels les soldats, autour desquels, pardon, les soldats honoraient cette déesse qui était importante pour eux, car ils avaient un métier qui s'apprenait, qu'ils apprenaient par l'exercice, exercitatio notamment, et ils devaient ensuite obéir aux ordres qu'ils recevaient. Alors, dans ces abstractions, il y a un dernier groupe de divinités, ce sont les génies. Il y a dans l'armée des génies très nombreux qui sont attachés à toutes les parties du camp en particulier. Il y a le génie du camp qui protège le camp dans son ensemble et puis des génies qui sont attachés à différents bâtiments du camp, le génie des principiales, le génie du prétorium, etc. Et donc ça fait un complément extrêmement important qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les différents groupes de dieux honorés par les civils. Ça, c'est plus propre aux militaires. Oui. On sait que l'armée romaine avec un solide formation militaire et sans la superstition était également très répandue. Existe-t-il des cultes de divinités liés à la formation militaire? Connaissez-vous des cas où ça succède? Oui. D'abord, je voudrais dire un mot sur un terme que vous avez employé qui est superstition. La superstition, c'est ce qui vient en plus de la religion. Hein, c'est des croyances qui ne sont pas bien fondées. Qui sont moins fondées théologiquement en tout cas, qui ne sont pas fondées théologiquement. Et les superstitions étaient très importantes dans l'Antiquité, beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Il y a une lettre que peu de gens connaissent qui a été adressée par un grand général de l'armée romaine qui était Sylla, Lucius Cornelius Sylla, lettre adressée à son ami, un autre Cornelius d'ailleurs, Cornelius Lucullus. Et Sylla, qui était un intellectuel, un grand général, comme Lucullus, qui était lui aussi un grand intellectuel, ce qu'on ignore souvent, et un grand général, Sylla félicite Lucullus de pratiquer, de respecter les superstitions, d'une manière générale. Alors je viens maintenant à votre question plus précise sur l'exercice. L'exercice, c'est une activité qui a été extrêmement négligée dans le passé, qui a été étudiée dans un livre en allemand d'un certain Horstmann, qui était un militaire allemand. Alors c'est très intéressant quand les militaires interviennent dans l'histoire militaire, même de l'Antiquité, parce qu'eux, ils connaissent bien les techniques. Malheureusement, son livre est scientifiquement un peu léger. Il y a des oublis, il y a des textes qu'il n'a pas vus. Alors l'exercice était pour les militaires romains extrêmement important. Ça consistait d'abord à apprendre le maniement d'armes, escrime, lancer de javelot. Il y avait le sport d'abord, pardon, j'allais l'oublier, c'est le plus important, c'est très important. Le soldat doit avoir un corps bien fait, bien exercé. Ensuite, il y avait le maniement d'armes. Et enfin, il y avait des manœuvres en unité constituée. Et alors, le sport ou l'escrime pouvait se pratiquer dans un espace clos, le campus. Je ne m'éloigne pas de mon sujet, hein, j'ai l'air, mais je vais y revenir. Le campus, il y a le campus des prétoriens à Rome,
il y a le campus de Lambèze, et puis on connaît par l'épigraphie Lambèze en Afrique, et on connaît par l'épigraphie l'existence de quelques autres campus, notamment en Syrie et en Anatolie. Et puis, il y a évidemment, donc on peut pratiquer l'escrime sur ces terrains, ce sont des terrains de sport, hein, en fait, ce qu'on appelle de nos jours des terrains de sport, on peut pratiquer une partie de l'exercice dans les terrains de sport, et puis l'autre partie de l'exercice, exercitatio, donc doit être pratiquée dans la plaine, en rase campagne, c'est-à-dire quand il y a des manœuvres, quand une unité combat contre une autre unité, il faut que ça se place dans la plaine. Or, le même mot, campus, désigne à la fois le terrain d'exercice, le terrain de sport si vous voulez, et la plaine elle-même. Et nous constatons qu'il y a un assez grand nombre de dii campestres, de divinités campestres. Alors, il est très difficile de les traduire parce que ça peut être soit les divinités du campus, terrain d'exercice, soit les divinités de la plaine, mais endroit aussi où se pratique en particulier l'exercice. Alors, nous voyons, donc ça, ces dii campestres sont malgré tout les divinités les plus originales et la plus importante pour l'armée romaine et pour les soldats quand ils se préparaient au combat. Nous constatons aussi que sur les quelques campus que nous connaissons et en lien avec l'exercice, il y a aussi le culte que je viens d'évoquer de disciplina, la discipline. Les soldats apprennent leur métier sur le campus, sur le terrain d'exercice. Donc, ils honorent la discipline, qui est la divinité de l'enseignement. Et puis, il y a quelques divinités qui sont également liées à l'exercice. Alors, sans que nous sachions exactement pourquoi, il y a Jupiter, c'est le dieu des ciels d'orage, du ciel d'orage. Bon, c'est le grand dieu de Rome, du panthéon romain, très bien. C'est normal. Il y a Mars, qui est le dieu des armes. Alors là, on comprend très bien, évidemment, la présence de Mars quand les soldats apprennent l'exercice ou quand ils pratiquent des exercices de combat en unité constituée dans la plaine. Et enfin, il y a Victoria, la victoire. Alors, c'est intéressant et ce qui est compréhensible, c'est que, effectivement, le soldat combat pour la victoire. Il y a eu un officier français qui est mort en 1870 dans la guerre contre les Prussiens, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur... il était le premier à s'intéresser à ce que ressent le soldat quand il va au combat. Et il disait, le soldat va au combat pour la victoire. C'était vrai en 1870, c'était vrai dans l'Antiquité romaine et c'est vrai de nos jours. Si on envoie un soldat au combat en lui disant « nous allons être vaincus », le soldat n'a pas très envie d'aller au combat. C'est le colonel Charles Ardan du Pic, dont je parlais, qui a écrit justement un traité extrêmement intéressant et qui a inspiré beaucoup un historien anglais qui est certainement plus connu, notamment en Espagne, John Keegan. Ah, oui, oui. John Keegan, et Keegan, au début de son livre, reconnaît sa dette à l'égard de Charles Ardan du Pic. Oui, merci, professeur. L'existence de divinités étrangères au sein de humain, est-elle sous le monde typique des troupes auxiliaires ou aussi des légionnaires romains sont-ils des divinités masculines ou féminines? Alors, les divinités qui étaient honorées par les soldats étaient à la fois étaient honorés aussi bien par les auxiliaires, les marins que les légionnaires. Tous honoraient les mêmes divinités. Pourquoi? Parce qu'il y avait un modèle culturel qui était le légionnaire qui représentait la Romanité. La Romanité, c'était la conquête, la victoire, le succès.
Et c'était un modèle que tout le monde s'efforçait de suivre, aussi bien les auxiliaires que les légionnaires. Parmi les divinités étrangères, donc, j'ai parlé tout à l'heure des divinités locales, mais bon, je n'ai rien ajouté. En revanche, je voudrais revenir un petit peu plus sur les divinités dites orientales. D'abord pour dire que cette expression de divinité orientale, qui est très répandue dans tous les manuels, beaucoup d'ouvrages, est en fait une divinité impropre, une expression impropre, pardon. Parce que les divinités orientales en Orient ne sont pas orientales, elles sont locales. Isis n'est pas une divinité orientale à Alexandrie, elle est une divinité égyptienne, etc. Alors, donc, mais malgré tout, il y a ces divinités, disons, exotiques, importées, venues de l'Est, qui se sont répandues, dit-on, en Orient. Alors, masculine ou féminine, c'était indifférent. Ce que les soldats, comme les civils d'ailleurs, hein, demandaient aux dieux, quels qu'ils soient, c'était de leur donner à manger, de les protéger, de leur donner la nourriture et la santé, de les protéger contre le Covid à l'heure actuelle. Nous pouvons faire des prières pour ça, mais je ne sais pas comment il faut s'y prendre. Masculine ou féminine, n'importe quelle divinité pourrait convenir. Alors, pour les dieux locaux, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'ai rien ajouté. En revanche, je voudrais profiter de ça pour parler un petit peu des divinités orientales. Alors là encore, dans tous les manuels, il y a une erreur qui, à mon avis, est très répandue, c'est de dire que les soldats ont apporté en Occident les divinités orientales chaque fois qu'ils participaient à une expédition contre l'Iran, en Arménie, en Syrie, en Anatolie. Il revenait avec des divinités orientales. Or, nous avons constaté, premièrement, que Isis, la déesse égyptienne, Isis et son parrain Sérapis, enfin surtout Isis, n'étaient pas honorées du tout par les soldats. Elles n'intéressaient pas les soldats. J'avais fait une communication il y a quelques années pour un colloque d'études isiaques. Et ma communication avait été relativement courte parce que j'avais dit aux assistants que nous ne connaissions pas de soldats honorant Isis. Alors depuis, on en a trouvé deux. Bravo, ça me contredit un petit peu, mais en fait très très peu. Et puis, il y a aussi le culte de Mithra. Alors tout le monde dit, ah oui, les soldats sont des adeptes, des adorateurs de Mithra. On a des soldats dévots de Mithra, et en particulier, on sait que les dévots de Mithra étaient répartis sur plusieurs degrés, et qu'il y avait un degré, je crois que c'est le troisième ou le quatrième, je ne sais plus, dans lequel le dévot était appelé Milès, soldat de Mithra. Bon, alors tout le monde disait, mais c'est merveilleux, vous voyez, Mithra est le grand dieu des Romains. Et puis, il y a eu une étude qui a été présentée, un colloque de Lyon d'ailleurs sur les soldats et la religion par un anglo-saxon et qui a rappelé que le culte de Mithra n'était en fait pas si spécifique des militaires qu'on l'a dit. Beaucoup de civils honoraient Mithra et les militaires n'étaient pas tellement nombreux à l'honorer. Et je dois dire que ce point de vue m'a beaucoup séduit parce que nous savons à quoi ressemble un mitréum, une chapelle de Mithra. Bon, on en connaît un assez grand nombre dans tout l'Empire. Ce sont en fait des petites chapelles dans lesquelles on peut mettre 20, 30 ou 40 personnes, suivant qu'on ait envie de les entasser, de les presser les unes contre les autres ou pas. Et nous avons le cas à Lambèse d'un camp légionnaire, c'est-à-dire d'un camp construit pour abriter 5000 soldats environ, 4500, 5000, 5500, ça dépend des jours, des périodes. Disons 5000 environ. Et il y avait à côté un mitréum qui est attesté par l'épigraphie, mais qu'on n'a pas retrouvé, mais qui ressemblait certainement à tous les autres mitréas, et donc mitréas de l'Empire. Et donc à Lambèse, il y avait 20, 30, 40, 50 soldats, qui étaient des 40 maximum, hein, qui étaient des dévots de Mithra, ce qui sur une unité de 5000 hommes, fait finalement très très peu.
Donc, les cultes dits orientaux, ces cultes importés, qu'on pourrait plutôt appeler des cultes à mystère, ce qui conviendrait peut-être mieux, ces cultes dits orientaux étaient en fait chez les soldats très peu répandus, contrairement à ce que l'on a dit pendant très longtemps. Pensez-vous que la plupart des dévotions des légionnaires sont directement liées à Mars, au Jupiter, ou y a autres également liées à la Sainte? Et si oui, pensez-vous que ces dévotions sont une imposition de Rome sur les soldats? Alors, je pense que les soldats, comme tous les autres habitants de l'Empire, avaient une dévotion particulière pour Jupiter, Mars et Vénus. Je crois que c'est une triade importante. Jupiter, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est le grand dieu de l'Empire romain, c'est le plus grand dieu de Rome, c'est le père des dieux et des hommes, suivant l'expression consacrée, d'une part, et d'autre part, nous savons qu'il était très honoré par les militaires, ce qui est normal, puisque les militaires protégeaient Rome, protégeaient l'Empire, protégeaient la cité romaine, donc ils honoraient Jupiter. Mars est aussi une divinité particulièrement honorée par les militaires. Tout simplement parce que c'est la divinité qui est la divinité des armes, qui protège les armes, qui protège le glaive, le gladius, qui protège le pilum, le javelot, etc. Et Vénus, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une déesse qui donnait la victoire, et ce caractère est attesté depuis l'époque républicaine. Rappelez-vous que César a accordé à Vénus une très grande importance, mais qu'il n'a pas été le seul. Déjà Scylla avait honoré cette déesse parce qu'elle donnait la victoire. Alors, à ces divinités, qui sont des divinités finalement traditionnelles, Jupiter, dieu de l'État, Mars, dieu des armes, et Vénus, déesse de la victoire, il y a, pour répondre à votre question, un service médical, un service de santé, si je puis ainsi m'exprimer, un service de santé militaire, qui était composé par une triade. Apollon, qui était le dieu de la poésie, le dieu archer, comme on l'a dit, mais qui était aussi un dieu de la santé, qui pouvait déchaîner les épidémies. Peut-être lui qui a déchaîné le Covid dans l'Europe occidentale et dans le monde entier récemment. Apollon d'abord, ensuite Esculape, qui était appelé Asclépios en grec, mais qui était et qui pour les Romains était le dieu de la santé, qui était un dieu guérisseur. Vous voyez la grande différence entre Apollon et Esculape. Apollon pouvait déchaîner le mal et Esculape le soigner. Et puis une abstraction divinisée, une de plus, qui est la bonne santé, qu'on appelait en latin salus. Et en grec, Ivi. Et assez curieusement, d'ailleurs, dans certaines inscriptions latines, on trouve la mention d'Ivi. Elle est appelée Ivi, Igia, pour des raisons que j'avoue que j'ignore d'ailleurs, parce qu'après tout, Salus irait aussi bien. Alors on sait qu'il y avait des sanctuaires d'Esculape près des camps romains, notamment, je reviens à l'exemple de Lambèse en Numidie, où une archéologue algérienne a étudié la question dans deux gros volumes. C'est Madame Nassera Ben Seddik qui a étudié le sanctuaire de l'Asclépieum de Lambèse, et ce sanctuaire de cet Asclépieum était placé sous la protection d'Apollon, d'Esculape, et de Salus Igi. Alors, nous n'avons pas les locaux n'ont pas été bien dégagés, bien retrouvés, mais nous pouvons penser qu'il y avait un temple pour abriter les statues de ces divinités et qu'il y avait très probablement à côté un endroit où les fidèles, les malades venaient passer la nuit, en espérant que le dieu leur transmette un remède, leur dise
ce qu'il faut faire pour se sortir de leur mal. Et il y avait aussi certainement des prêtres qui interprétaient les rêves et qui les expliquaient aux fidèles. On comprend évidemment que le service de santé était utile pour les militaires, d'abord tout simplement parce que les militaires étaient comme les civils, exposés à des maladies, et puis ils étaient exposés aussi à des blessures, au combat ou par maladresse lors de l'exercice, ça arrivait. Il a même fallu un texte de loi disant que si un soldat était tué à l'exercice, celui qui l'avait tué était innocent parce qu'il pratiquait son métier, que bon, c'était un accident, ça devait être considéré comme un accident et pas comme un crime. Alors les soins accordés aux blessés, vous vous en doutez, n'étaient pas d'une efficacité extraordinaire, et même Esculape et Salus n'y pouvaient pas grand-chose. Quand un blessé saignait, on mettait sur sa plaie des vêtements, des linges souillés, voire de la terre, ce qui arrêtait peut-être l'hémorragie, mais qui provoquait certainement le tétanos. D'après la question précédente, c'est la montre de vous animer les cultes orientés. Il semble qu'ils étaient tendres et protéinement liés à l'armée ou être en trace de sous-structure interne. Quels fêtes et rituels de déroulement dans les camps ou en l'honneur de divinité ou de l'impérateur? Qui pourrait les officiers? Quels rites guerriers existants dans le monde romain? Alors, dans le camp, il y avait finalement peu de place pour célébrer des cultes, sauf à l'intérieur des principia, et il est probable qu'un certain nombre d'assemblées, de réunions de soldats se déroulaient sur le terrain d'exercice, le campus, qui était au contraire un espace plat, éventuellement à côté du camp, dans la plaine. Dans ces endroits, on célébrait d'abord le culte impérial, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le montre le calendrier de Dura Europos et le texte de Tertullien que j'ai évoqué tout à l'heure dans le De Corona. Alors, les rites étaient les mêmes que ceux qui étaient célébrés à Rome. Il fallait respecter des règles qui étaient à la fois juridiques et religieuses, que Cicéron explique dans plusieurs de ses écrits. C'est ce qu'il appelle le jus fessiale, le droit des fessiaux. Les fessiaux étaient des prêtres qui avaient élaboré un certain nombre de règles que l'État romain devait respecter pour déclencher une guerre. La guerre offensive était théoriquement interdite, mais bien entendu, vous comprenez que l'État romain pouvait provoquer des guerres offensives quand ça l'arrangeait. Donc les guerres offensives étaient théoriquement interdites et il fallait qu'il y ait une déclaration de guerre en bonne et due forme. Et c'est seulement dans ces conditions que la guerre était, suivant une expression consacrée, un bellum iustum piumque, ce que je traduis différemment de ce que vous trouverez dans les manuels, par une guerre conforme au droit et à la religion. L'expression française qu'on utilise souvent était défectueuse. Alors, quand la guerre commençait, on ouvrait le temple de Janus, et quand la guerre était terminée, on pouvait fermer le temple de Janus à Rome, parce que là, nous nous déplaçons à Rome. Ensuite, il y avait un prêtre, un fécial précisément, qui se rapprochait du temple de Bellone, Bellum, la déesse de la guerre, et qui lançait un javelot. Et puis, des prêtres, les aruspices et les augures, étudiaient les entrailles des victimes, c'était le travail des aruspices, et étudiaient le vol de certains oiseaux, c'était le travail des augures. Et puis, les Romains
respecter tout ce que nous appelons, tout ce qui est tous les signes que les dieux leur envoyaient. Ça nous ramène un petit peu à la superstition, évidemment. Et il y a un épisode que l'on connaît très bien. César, pendant la guerre civile, débarque en Afrique, il glisse et il tombe et sur la plage. Et quand le général tombait, c'était un mauvais signe, c'était l'indication que les dieux n'étaient pas contents. Et César réussit par une habileté extraordinaire, par son intelligence, en ramassant du sable dans ses deux mains et en disant « Terre d'Afrique, je te tiens, je prends l'Afrique, elle est devenue ma propriété. » Alors, revenons aux cérémonies. Elles étaient présidées toujours par un célébrant qui était l'officier le plus élevé en grade de la région. Donc, dans un camp comme Mayence, Strasbourg, York, etc., c'était le légat de légion, voire le légat d'armée quand il y avait une armée, qui célébrait ces rites. Et nous voyons que sur la colonne Trajane, que Trajan, l'empereur lui-même, présidait à ces rites dans ces cas. Alors, c'est au moment de l'entrée en guerre. Au moment du déclenchement de la bataille, il n'y a pas grand-chose de religieux, mais une fois que la bataille est terminée, si elle est victorieuse, ce qui est quand même souvent le cas des armées romaines, les soldats chantent un péant, un hymne religieux pour remercier les dieux. C'est l'équivalent dans la religion chrétienne du Te Deum. Le Te Deum des chrétiens s'est inspiré du péant des polythéistes. Et les militaires romains pouvaient décider d'ériger un trophée sur le champ de bataille, c'est-à-dire qu'ils construisaient, fabriquaient un petit mannequin équipé d'armes ramassées sur les morts et qui était un monument consacré à Mars, à Vénus et à Fortuna le plus souvent. Mais les Romains pouvaient changer de divinité. Et éventuellement, à l'époque républicaine, quand le général avait été très bon, il pouvait obtenir les honneurs du triomphe. Donc, ça se déroulait en deux étapes. D'abord, les soldats proclamaient leur général impérator, et ensuite, le Sénat de Rome accordait le triomphe. Alors, je vous rappelle que le triomphe, c'est à la fois un défilé militaire et une procession religieuse, puisqu'elle emprunte la voie sacrée, elle se termine au Capitole. Le général est revêtu, porte sur lui les attributs de Jupiter. Donc, le contenu religieux me semble extrêmement intéressant. Oui. Je vous voulais nous parler du christianisme et du judaïsme dans l'armée romaine. Vous pouvez le faire? Oui, je crois que ce sont deux questions intéressantes et à séparer d'ailleurs, le judaïsme d'une part et le christianisme d'autre part. Il y a quelques historiens qui tiennent absolument à ce qu'il y ait eu des juifs dans l'armée romaine. Mais les documents qu'ils ont prouvés, d'abord, sont très peu nombreux et ne sont pas probants. Et en fait, si on réfléchit bien, et moi je suis tout à fait sceptique sur cette présence, il était très difficile à des juifs de servir dans l'armée romaine. D'abord parce qu'ils ont de nombreux interdits. En particulier, ils doivent respecter le sabbat, c'est-à-dire ne pas combattre le samedi, et ensuite parce qu'ils doivent participer à des fêtes qui sont des célébrations polythéistes. Et c'était deux choses qui les gênaient beaucoup. Ce qui fait que si des juifs ont servi dans l'armée romaine, c'était des renégats, c'était des gens qui ne respectaient pas leur religion et éventuellement qui l'avaient abandonnée. Alors pour les chrétiens, il y a un problème qui est le problème du commandement « tu ne tueras pas ». Or, le métier du soldat est de tuer. Nous savons qu'il y a eu, malgré tout, des soldats chrétiens. Alors, les plus anciens nous sont inconnus, hein, comme les plus anciens chrétiens, civils chrétiens. Le christianisme apparaît brusquement, déjà bien organisé, développé, structuré, répandu dans tout l'Empire.
Donc il est très clair que les premiers chrétiens civils, mais militaires également, étaient discrets et ne manifestaient pas leur foi ni leur opposition à certaines pratiques religieuses. Alors nous voyons apparaître le christianisme, très probablement en 174, avec le miracle de la pluie. Ce sont des soldats de la 12e Légion Fulminata, une légion d'Orient, je tiens à le préciser, qui ont prié Dieu, pour leur Dieu, pour obtenir une pluie, car les soldats de l'armée romaine mouraient de soif, les barbares ayant empoisonné tous les puits. C'est une première présence, et apparemment, ces soldats sont bien dans l'armée romaine, et personne ne leur cause de tort. Il y a ensuite ce soldat de Rome, qui probablement a vécu au tout début du règne de Caracalla, ou un petit peu auparavant, à la fin du règne de Septime Sévère, et on a dit beaucoup qu'il avait adopté le même excès que Tertullien. C'était un montaniste, c'est cette conception de la religion qui pousse les gens à se sacrifier, à se faire tuer par les polythéistes, par les païens, pour aller plus vite auprès de Dieu. Cette présence chrétienne doit être pesée, à mon avis. D'abord, elle était plus importante en Orient qu'en Occident. Les soldats d'Occident semblent avoir été beaucoup moins touchés par la religion chrétienne que les Orientaux. Et puis, d'autre part, les soldats étaient plus souvent, enfin nous le voyons dans les textes, hein, du côté des persécuteurs que des persécutés. C'était eux qui étaient amenés à exécuter, par exemple, Saint-Cyprien, qui a été tué, pas mis à mort par un soldat. Alors, je reviens, et c'est là-dessus que je vais terminer, sur cette question du « tu ne tueras pas ». Le problème est que les évêques chrétiens du IVe siècle étaient en fait très embêtés. Constantin avait christianisé l'Empire, plus ou moins, bon, ce n'est pas mon problème aujourd'hui, enfin il avait introduit le christianisme dans les structures politiques, et Constance II avait lui très fortement christianisé l'Empire. De ce fait, Constantin comme Constance II ont été des guerriers, ils ont mené des guerres très longues, très dures. Constantin était un empereur à cheval, hein. Il a passé son temps à faire des guerres civiles, Constance II à se battre contre les différents ennemis de l'Empire, et donc ils avaient une armée, ils avaient besoin d'une armée, et ils avaient besoin de soldats qui acceptent de combattre et de tuer des ennemis. Les évêques qui ont été consultés par des soldats, et sur lesquels nous avons des renseignements, ont donné des conseils qui étaient quand même extrêmement ambigus, extrêmement gênants. Par exemple, ils disaient tous aux soldats, évidemment, tu dois faire ton métier, tu dois effectuer ton service, tuer des ennemis au besoin, c'est ton métier, tu es là pour ça. Mais d'un autre côté, ils leur disaient, il faut quand même, si tu tues des gens, que tu observes, par exemple, un certain temps, quelques années, sans participer à la communion des fidèles, sans te rendre au milieu des fidèles. Et donc, c'est une situation qui était difficile à tenir. Ça n'a pas empêché que les armées romaines se sont petit à petit, surtout quand elles sont devenues byzantines, ce qui n'est plus mon propos, et un domaine auquel je ne connais rien, sont devenues profondément chrétiennes. Las conclusiones que... a modo de resumen que ha hecho a través el profesor Jan Leboeck en esta entrevista y la vamos a comentar. Bueno, las conclusiones que podemos resumir a través de esta entrevista, de todo lo que ha dicho el profesor, podemos averiguar, digamos, o podemos conocer que dentro del ejército romano existe una multitud de divinidades dentro, tanto abstractas como más concretas, en estatuas, como cuyo culto estaba también orientado no solo a la guerra, sino también al mundo civil. El mundo civil y el mundo militar
no se diferenciaba en algunos de los cultos. Y es verdad que estos ejércitos, estos cultos, junto con los sacrificios que también ha hablado el profesor, ayudaban también a desarrollar la guerra y aumentar la moral de la tropa. Existe una multitud de divinidades relacionadas con el culto a la guerra, preferentemente y también, y además añadido, al culto a Esculapio como una divinidad no solo de la salud en el momento en el que se está luchando, en un momento de tensión de las fronteras con Roma, con los germanos, con la Germania, con la Galia, en su momento con Britania o Hispania u Oriente y Norte de África. Y además, en este sentido, también tenemos que aludir a esas divinidades abstractas, que es el honor, la fortuna, la disciplina, pero también el profesor ha citado la victoria, también como una divinidad abstracta, y sobre todo los genius de los emperadores o de la propia, del propio manípulo, de la propia cohorte, tanto legionaria como pretoriana. Existen también divinidades extranjeras que han ido incorporándose a medida que el imperio romano iba creciendo y se iban incorporando a ese panteón del ejército romano, y que ya no se considerarían tan extranjeras como lo eran en su origen, porque eran traídas por tropas auxiliares y que luego también son adoptadas por el propio ejército, ¿no? Por la ciudadanía romana, tanto militar como civil. Y es importante también ese paso de diferencia entre lo que había antes de Augusto y lo que hay después de Augusto, ¿no? Como él ha comentado, había esos 82, esa gran reforma, no solo civil, política y urbanística de Augusto, esos 82 templos que restaura, o más de 82, sino esas reformas militares en cuanto al ejército y a la disciplina y al equipamiento romano, ¿eh? Y por supuesto, ya para terminar, las fiestas y rituales que realizaban en el campamento en honor a las divinidades o al emperador están basadas precisamente en ese calendario de Dura Europos y que las podía oficiar, digamos, un oficial, un flamen en algunos casos, también en lo que es en la ciudad. Y en el campamento también había unos sacerdotes que hacían y rehacían, digamos, estos rituales en honor al emperador y a las distintas divinidades. No tenemos a remercier el profesor Jan Leboeck por la presente colaboración con nuestra asociación Mos Religiosos. En discutant le certain des nombreux aspects de religieux de l'armée romaine. Merci beaucoup, professeur Jan Leboeck, pour votre temps et vos connaissances approfondies à la matière, comme je vous l'ai dit en email. C'est un plaisir personnel de parler avec vous. Était une excellente référence pour mes études académiques liées au domaine militaire et religieux du monde romain. Si vous voulez dire quelque chose, vous le pouvez. C'est moi qui vous remercie. Je dirais très rapidement pour conclure sur trois points. Le premier, c'est, vous l'avez dit, hein, la grande diversité régionale, géographique. Donc, les cultes ne sont pas les mêmes en Bretagne, en Afrique et en Syrie. Le deuxième, c'est la diversité dans le temps. Il y a une période traditionnelle, des cultes traditionnels romains, puis l'apparition du culte impérial, qui est une nouvelle religion, puis enfin l'apparition du christianisme, qui est également une nouvelle religion. Et puis je vais terminer sur un point un petit peu polémique,
j'aime bien. Il faut bien avoir quelques adversaires et quelques ennemis. Je crois que les membres de l'armée romaine croyaient aux dieux. Ils croyaient que les dieux existaient, croyaient que les dieux intervenaient. Je crois que c'est normal pour tous les gens qui risquent leur vie. C'est quelque chose qu'on peut voir dans les armées actuelles. Je voudrais citer un seul exemple, parce qu'il a été filmé et rapporté beaucoup. C'est à Dien Bien Phu, où l'armée française était en grande difficulté. Les soldats allaient, chaque fois que le prêtre célébrait la messe, allaient les écouter, quitte à être dérangés par un appel, venez défendre tel ou tel point, et à laisser tomber ce culte. Ceux qui risquent leur vie ont besoin de croire qu'il y a quelque chose dans l'au-delà. Merci à tout votre temps et nous espérons que cela vous plaît. Merci beaucoup pour vos questions. Merci au professeur Jean Leboeuf. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta entrevista y cualquier cuestión que le quieran hacer al profesor, les daré. Háganlo a través de More Religiosus y yo se lo hago se lo envío al profesor.